on sait que c'est extrêmement compliqué. C'est pas à nous de juger des solutions politiques dans leurs détails. Par contre, il faut un mécanisme conforme au droit maritime international. C'est vraiment ce que nous demandons et répétons depuis des mois, depuis le mois de juin, depuis la fermeture des ports italiens qui nous a amenés jusqu'à Valence et l'épisode de l'Odyssée de l'Aquarius au mois de juin. Il n'y a toujours pas de solution pérenne mise en place.